Vente illégale de forêts, terres confisquées ou volées, querelles incessantes entre populations autochtones et halogènes, une réalité dans toutes les régions de Côte d'Ivoire et particulièrement à l'ouest du pays. Conséquence de la méconnaissance des lois en vigueur sur le foncier rural. À Guiglo, dans le Moyen Cavalier, pour mettre fin à tous ces conflits, les autorités administratives ont initié une rencontre avec les populations afin de les éclairer sur les tests concernant le foncier rural en Côte d'Ivoire. Le magistrat Dagou Théodore a animé à cet effet une conférence sur le thème « La compréhension de la loi foncière rurale ». À ce niveau, il est important de préciser que la loi pose des conditions pour devenir propriétaire d'une terre en milieu rural. Et c'est l'article premier de la loi de 98 qui indique que seul l'État, les collectivités publiques, les personnes physiques ivoiriennes peuvent devenir propriétaires. Les populations ont quant à elles dénoncé le coût élevé de ces prestations, mais elles ont exprimé leur reconnaissance aux autorités pour cette initiative.